Quelques maisons, des cases perdues en pleine montagne. Ici, il n'y a ni eau, ni téléphone, ni électricité. Voici Tchakoulé, un hameau isolé du nord de la Guinée. C'est là, très très loin de Manhattan, qu'est née la jeune femme de 32 ans qui accuse Dominique Strauss-Kahn d'agression sexuelle à New York. Pas de route pour y accéder, on y vient à pied. La victime présumée, dernière née d'une famille de 6 enfants, a quitté ce hameau il y a 10 ans, après le décès de son mari, pour rejoindre sa sœur déjà émigrée à New York. Une partie de la famille est restée là, dont son demi-frère, cet homme de 42 ans, Boubacar. Il vient d'apprendre la nouvelle. Depuis que j'ai entendu ça hier, je n'ai pas dormi. Je n'ai pas mangé. C'est Dieu qui l'a aidé. Depuis qu'elle a eu un enfant, elle a grandi là-bas. Elle n'a rien fait de mal. Elle n'a créé aucun problème jusqu'à maintenant. Elle n'a eu d'histoire avec personne. Jusqu'à présent, elle n'a eu de problème avec personne. Voilà la vérité. Ici, la population est musulmane et pieuse. Il n'y a pas d'école, mais un enseignement religieux. Petite, la victime présumée apprenait les versets du Coran. Boubacar, pratiquant lui aussi, reconnaît qu'il n'a eu que très peu de nouvelles de sa sœur en 10 ans. Une photo sur le mur du salon, c'est l'unique souvenir qui reste d'elle. La grande ville la plus proche est la baie, la deuxième ville du pays. La nouvelle a mis des jours pour arriver, mais une bonne partie de la population est au courant, même s'il n'y a pas d'électricité depuis 2 semaines. Vu la notoriété de M. DSK, c'est quand même déplorable pour lui de se voir terni. Si les affaires s'avèrent réelles, effectivement qu'il ait commis cet acte, c'est quand même déplorable. Si tu en as l'argent, ne dois pas violer la loi. Parce que la loi doit respecter. Même si tu es président, si tu as violé la loi, il y a les autres plus que toi, ils vont te attraper. C'est mon problème que je ne voulais pas laisser. C'est ça qui m'a touché quoi, dans mon cœur. Parce que c'est une femme comme moi. On fait confiance en cette justice et on souhaite à ce qu'elle aille jusqu'au bout. Pour que, sur l'une des parties, que le fautif soit sanctionné. Le fautif ou la fautive. Des milliers de Guinéens travaillent à l'étranger, dans d'autres pays d'Afrique, en Europe ou aux États-Unis, car en dépit de fabuleuses richesses minières, la moitié des 10 millions d'habitants de Guinée vivent sous le seuil de pauvreté.